Bonjour, je m'appelle Sarah Medjian, je suis enseignante-chercheure en géographie à l'Université de Grenoble et depuis plusieurs années, je fabrique des cartes avec des personnes qui ont pour point commun d'être en exil. Alors pourquoi fabriquer des cartes et pourquoi il me semble que la carte est un outil potentiel de lien social, de mise en lien? Eh bien d'abord, fabriquer des cartes, c'est mettre en commun des connaissances sur des espaces qui sont très peu cartographiés ou peu connus, la Libye, l'Érythrée, le Soudan du Sud, qui sont en conflit avec les personnes qui en sont originaires, qui ont traversé ces espaces. Ensuite, fabriquer des cartes ensemble, c'est s'approprier notre environnement commun dans les espaces dits d'accueil, c'est mettre en exergue les lieux ressources, les lieux accessibles pour les personnes en exil qui sont souvent mis à la marge de la ville. Ensuite, faire des cartes, c'est éviter d'être dans un rapport d'interrogatoire, d'interview avec ces personnes qui sont très régulièrement soumises aux interrogatoires administratifs. La carte est un outil de lien social qui potentiellement est émancipateur, démocratique et qui permet véritablement d'entrer en relation de manière respectueuse avec les personnes qui vivent l'exil. Je vous invite à soutenir le projet de carte ONG qui va dans le sens d'utiliser la carte comme un outil d'émancipation.